Donc on peut se dire que à chaque fois qu'on a un bois de l'année d'avant, ça c'est une réduction. Ça c'est une réduction. Oui. Ça c'est une réduction. Et donc plus j'interviens, plus j'ai je diminue le nombre de bois. Et à la limite, moins j'aurai à intervenir sur mes fruits en direct. Oui, mais plus j'aurai des pousses importantes ici, voilà. Mais je suis en train de remonter là. Voilà. Hein, donc du coup, je suis en train de réduire et faire en sorte que mes pousses, petit à petit, voilà. Se régénèrent vers l'intérieur. Quoi. Voilà. Et, enfin, ou au moins ne continuent pas à aller vers l'extérieur avec cette acrotonie qui est très forte. Ouais. Hein, acrotonie forte là quand même. Hein. Ouais. Forte dominance apicale quand même. Hein. Ouais. Donc, forte dominance apicale à acrotonie, je fuis. Je fuis l'intérieur. Hein? Donc, on peut le faire là. Et oui, on peut le faire aussi là. On peut le faire là. Hein? D'accord? Bon, là, c'est peut-être trop. Hein? Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir des fruits. Hein? Mais on peut le faire là, plus là. D'accord? Plus là. D'accord? Plus là. Plus réduire. Vous voyez comment en fait tout est envisageable là. Hein? L'idée c'est de trouver les solutions pour que. Après moi ce qui me fait peur dans le pêcher à la taille, c'est que plus on va enlever donc des bois d'un an, est-ce que. Parce que là on a relativement peu de chances qu'ils refassent des feuilles là. Oui. Donc il va faire quoi? Il va faire ça comme feuille avec des parts là. Si tu réduis pas, oui. La crotonie elle va se caractériser ici l'année prochaine. Oui, oui, oui. Donc c'est-à-dire l'année d'après il se passe. Ah ouais. C'est ça, après ça va faire. Ça. Et puis toi, en plus, donc après donc, c'est celle-là qui va prendre le relais. Ouais, tu peux, mais on peut aussi choisir de laisser. Tu peux choisir. Ouais. Moins de fruits, mais en ayant gagné. Ah non, mais moi c'est pas le. Là c'est pas particulièrement pour le fruit hein, que je parlais, c'est pour la feuille. C'est-à-dire que si on veut favoriser, là on serait plus à refavoriser le départ de feuilles. Cette année ils ont pas été très feuillus. Alors attends. Pas fait beaucoup de feuilles. Parce que là, bon, ok, dans un premier temps, c'est sûr que si on laisse tout ça, on a plus de feuilles. Oui. Hein? Mais forcément, l'acrotonie là fait que, par exemple, ici, je vais pas avoir tous ces bourgeons là, vont pas partir là. Ah, hein? Ça va faire des feuilles, mais ça va pas faire de bois. De bois ouais. Mais c'est vrai que, donc du coup, si je laisse ça comme ça, ça va faire quelques tiges ici, et puis petit à petit, ça va continuer à se vider là-bas, puisqu'elle aura tendance à amener son énergie là. Ah, alors que si je réduis ici, voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'au lieu d'avoir deux pousses ou une seule pousse qui sortira là, j'aurai cinq pousses qui va sortir ici, d'accord? Donc en fait, si j'ai 5 pousses ici, en quelque part, je crée 5 bifurcations ici. Et de ces 5, j'aurai toujours la possibilité de refaire 5 là. Et donc, je densifie. Hein? Ah oui, complètement. Donc là, pareil, si je fais ça, par exemple, je densifie dans l'absolu. D'accord? À la base de chaque... ils sont là, les fruits. Là, là, là. Là, donc tu en vois des fruits. Ah là, j'en ai des fruits. Hein. Ah, ouais, non, mais même si t'avais pas taillé, t'aurais éclairci en fruits. Ah oui, oui, ah, moi oui. J'éclaircis de toute façon en fruits. Donc à quel moment éclaircir bah, surtout sur une branche comme ça, là, tu peux pas lui laisser grand chose comme fruit. Enfin, sauf si. Tu pourrais éclaircir, tu veux dire, en taillant au printemps, tu vois les pêches, tout ça, et tac, tac, t'enlèves des branches avec les pêches dessus. Non, non, non. Ah, mais si, tu pourrais. Oui, oui, d'accord. Enfin, moi j'enlève le fruit. Enfin, je mets comme ça en fruit. Tu peux faire la taille en vert. Tu pourrais. Oui. Plein de possibilités, hein. Ouais. Trop. Trop. De coup, c'est trop. Mais en fait, c'est en fait ce qui nous perd là, c'est qu'on n'a pas d'objectif. C'est quoi l'objectif? Voilà. On arrive, on dit bon, bah faut le tailler, mais faut le tailler. Mais non, oui, faut pas le tailler. L'objectif, c'est vrai que l'objectif, il est. Enfin, voilà. Pour moi, ce que je vois dans mes pêchés, vu qu'on les a fait un départ en gobelet comme ça, ce que je veux maintenant, c'est quand même contenir ce gobelet dans un espace pas trop étalé, qu'il ne fasse pas un truc tout bleu et qu'il aille sur le chemin ou des trucs comme ça. Donc, premier objectif. Donc, pas de... Pas trop d'étalement. Pas d'étalement, ouais, voilà. Ou peu d'étalement. Et favoriser là le départ un petit peu de la végétation plus que du fruit, parce que les arbres sont encore jeunes, on n'a pas besoin d'énormément de fruits. Peu de fruits, stimuler donc la croissance plutôt que le fruit. La croissance, voilà. Là, pour cette année, c'est plutôt ça, on va dire, l'objectif. Ouais, pour moi, c'est un arbre qui... Chez moi, j'ai beaucoup plus de casse sur les pêchés que sur tous les arbres. C'est un arbre qui est disproportionné, qui porte pas, qui sait pas faire le bois à porter les fruits qu'il va faire. Bah, c'est un arbre qui est acrotone et qui a une forte dominance apicale. Donc, il va favoriser la branche du bout et en même temps, en plus, chaque fois qu'il fait une grande branche, il va refaire des branches l'année d'après au bout de cette branche. Donc il fait des trucs au bout du bout du bout du bout du bout. Et donc forcément,
il a tendance à s'allonger, et comme il fait des fruits à la base de chaque rameau, de un an, donc de l'année d'avant, et eh ben ils sont au bout, et donc du coup ça ploie, et ça casse. D'accord, ouais. Un autre truc okay. intéressant là, enfin, bon, en fait, sans tenir compte de la fructification de cette année, mais on pourrait carrément repartir sur que ces petits bouts-là, et recompacter encore plus. Ah ouais, et amuse-toi à le faire sur un arbre ou deux, observe, et vois ce que ça te, ce que ça te dit. Mais clairement, les anciens, ils auraient, par exemple, dans le cadre d'un maintien comme ça, ils n'auraient pas laissé l'arbre faire ce qu'il est en train de faire là. Oui, hein. Voilà, ils auraient dit, je choisis l'orientation de mes branches dans l'espace, et donc ils auraient même supprimé des choses, et puis raccourci drastiquement des choses très importantes. Ils ne se seraient vraiment pas amusés à laisser des choses grandir comme ça. Hein. Donc on repart toujours sur une branche qui va vers l'extérieur, mais on densifie, d'accord ? Mais ça veut dire que chaque rameau va être pourvu de nouveaux rameaux l'année prochaine qui va faire en sorte qu'on densifie, on maintient. Oui, et en plus du coup on va augmenter la vigueur parce que là, les premiers... peut-être pas. Non, mais parce que les premières années, ils ont poussé relativement vite. C'est-à-dire qu'ils ont été bien implantés, tout ça, on a eu une belle croissance. Ça s'est formé, enfin on le voit, hein, là, tu vois, ça c'était une première... C'était dynamique, ouais. C'était deuxième année, hop, il a fait tout ça, hein, jusque là, quasiment. Et après, hop, troisième année, quatrième année. Donc assez peu. Donc si on rassemble tout au maximum, toute l'énergie qu'il a emmagasinée, il va le donner dans moins de bourgeons, on lui laisse moins de bourgeons, donc... Non. Oui, voilà, c'est ça la question, c'est que c'est pas parce qu'on taille qu'on stimule la vigueur. Mmh. Attention. D'accord. On distribue la vigueur différemment. Ah, voilà. Hein? C'est important de se dire ça. Mmh. Qu'est-ce que c'est qui fait l'énergie? C'est les feuilles. Oui. Bon, bah, dans un premier temps, on diminue le volume foliaire. Bah, on peut pas dire qu'on stimule, on fait des portes d'entrée partout, il faut qu'ils compartimentent, tout ça. Mais par contre, toute la vigueur est distribuée dans un nombre de bourgeons moins important, ce qui nous donne la sensation d'avoir de la vigueur. Mais par contre, dans un deuxième temps, on va densifier le végétal, et donc sur un volume donné, on aura une densification du feuillage, voilà, avec un potentiel plus important par rapport à l'individu lui-même. Mais on peut pas, il faut surtout pas dire que tailler stimule, tailler renforce. Ça c'est dangereux de le dire. C'est dangereux. C'est pas faux dans tous les cas, mais c'est souvent pas vrai quoi. Enfin, c'est un peu comme si on compressait une énergie, comme si on recompacte. Ouais. Ouais. Mais l'énergie globale, l'énergie globale, elle est sur l'exposition au soleil des feuillages. Et du coup, ça fait qu'on ne touche pas les charpentières, à exception de pêcher. Dans les pêchers, on peut se permettre, à cause de ces trucs, dès qu'on ne veut pas les rallonger, ces pseudo-charpentières, ces sous-mer, on peut les raccourcir. Ça, c'est parce qu'on ne l'a pas fait. Mais l'année prochaine, je vais avoir des pousses ici, là. Et donc l'année prochaine, je vais choisir la pousse la plus basse. Tac. L'année d'après, j'aurai la pousse la plus basse. Je re-choisirai la pousse la plus basse. Là, je touche plus la charpente. Et bien en fait, c'est ce qu'on disait par rapport à la vigne, c'est que tous les ans, j'allonge, mais je limite l'allongement. Et puis après, je vais choisir les orientations et peut-être, bah, dans ce cas-là, pouvoir réguler le nombre de bois pour réguler la fructification. Réguler le nombre de... Donc c'est soit par extinction en enlevant les pêches, soit par enlèvement des rameaux. Et donné que c'est un truc qui fructifie d'août, on a dit, tardive, on ne fait pas ça. On l'enlève. Si on l'enlève, on enlève toute la course. C'est mieux, ouais. C'est mieux. C'est bien. On enlève tout le bois de l'année. Quoi. Vaut mieux laisser la pousse de un an en entier. D'accord. Alors que ce serait un fruitier qui fructifie plus tôt, on pourrait se permettre de réduire la pousse de un an tous les ans. C'est vertical. Ouais, c'est très vertical, ouais. Donc on a les... Putain, on dirait presque que ça a été coupé, taillé là-haut, là. Ouais, ça n'a aucune taille. Donc là, c'est un... Alors là, la crotonie... Ouais. Non ouais. Énorme acrotonie.
Ouais. Comparé à celui-là, là. Tout autour, ils montent tout autour aussi haut que celui du milieu, voilà. Non, regarde. La pousse de l'année dernière, elle est de là à là. Et donc, c'est-à-dire que les bourgeons qui ont poussé, c'est que les bourgeons du haut. D'accord ? La pousse de l'année dernière, elle est de là à là. Donc, sur un an, il n'y a rien qui pousse sur tous les bourgeons et ça pousse que en haut. Donc, l'année prochaine, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y ait 4 pouces ou 3 pouces ou 2 pouces qui partent juste ici, là. Bon. Donc, très acrotone. Et en même temps, est-ce que vous voyez une forte dominance apicale ? Et non, ouais, il y a une faible dominance apicale puisqu'ils se concurrencent tous. Ils se concurrencent, ouais. Ouais. Plusieurs charpentiers qui se développent. Ben, ils ont fait ça tout seuls. Il y a 5 arbres de la même variété. Après, ouais. Alors qu'il y avait une force dominante apicale au début, celui-là, eh ben, il est parti tout droit avec une seule tige qui est partie très droit, très haut. Il y avait une forte dominance apicale jusqu'à l'année dernière. Ah oui. Et c'est depuis l'année dernière qu'il a fait cette pousse-là. Cette pousse-là. Et on le voit, il y en avait une principale, où l'année d'avant ça a commencé en fait. C'est l'année d'avant que ça a commencé avec toi. Il y a une paire de bois là, on est pas sûr. Tu l'avais taillé celui-là ? Non, il n'y a pas de taille là. Pas de taille, c'est intéressant de voir. Bon, mais la taille en même temps, là c'est faire en sorte que, pareil, hein, il y ait suffisamment de feuilles là, par rapport aux fruits quoi. Partout. C'est des feuilles en latéral. Ah, ça fait des feuilles partout. Il y a eu des fruits là déjà ? Il est ouvert, c'est un sapin le truc. Et il fructifie déjà ? Et il fructifie, ouais. Pas beaucoup, ben j'en enlève, lui pareil. Mais lui c'est le seul qui n'a pas gelé et tout. Enfin, ou le... Non, c'est super variété. En plus, rouge, un peu plate, super bonne. Il nous garde, on le garde tout l'hiver. Porc érigé, pomme gardée. Okay. Voilà, porc érigé, pomme gardée. Ouais. Acidulé, très bonne. Et à chaque fois, il y a 5 arbres d'une même variété, et après, c'est une autre variété. C'est quoi la variété ? Comment elle s'appelle ? Par contre, effectivement, quand même, ça me questionne par rapport à la formation du bois et à la pérennité du coup de l'arbre. Est-ce que c'est trop dense ou pas ? Je sais pas. Ça va finir probablement par basculer un peu. Hein. Et voilà, il risque, mais justement, il risque de refaire des pousses là. Il risque de s'ouvrir. Ouais, voilà. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, le problème, c'est que... Est-ce que à quel niveau, quoi, ça va s'ouvrir ? Est-ce que ça va arriver là ? Bah, oui. C'est sûr que oui. C'est un axe un peu central au début, puis après, ils ont pris de l'ampleur, là, les autres. On aurait pu choisir, et là, c'est après la formation. J'aurais eu la formation avant, j'aurais enlevé probablement ça. Pour qu'il soit plus haut le tronc, tu veux dire ? Ben pour que cette ouverture qui se fasse, elle se fasse plus haut. Ouais. Bon, tu pourras toujours quand même accompagner, je veux dire, c'est pas perdu, parce que tu pourras toujours accompagner les branches, tu vois, en se disant que quand ça va faire ça, il va sortir quelque chose de là. Voilà, et donc, du coup, tu pourras toujours quand même ça, faire comme ça, là, sur les parties où tu veux pas que ça s'ouvre. Oui. Hein ? Donc, rien n'est perdu, là. Oui. Non. Et moi, je trouve qu'il est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal fait parce que ce que j'aime assez, c'est la structuration des fourches. Ouais. Elle est équilibrée, hein, naturellement. Ça s'est fait naturellement tout seul. Et elle va pas se mettre à l'horizontale. Mais alors ça, là, ça, cette orientation-là, il y a de fortes chances que ça ait une orientation un peu plus ouverte plus tard. Mais ça va jamais être horizontal, ça c'est sûr. Ça va jamais être horizontal. On le voit déjà, c'est raide. Hein. Oui, et puis même lui, il ne ploie pas, hein, même avec ses... Bah, en vertical comme ça, ouais. Tu ne ploies pas, mais d'un coup, ce qui va se passer, c'est que c'est justement, c'est ce qui est long. C'est qu'en fait, ça, là, l'année prochaine, ça va faire comme ça, oui. Et là, quand ça va commencer à fructifier là, oui. Ça va commencer à y tirer un peu. Ouais. Et ça ne va pas plier de là, mais ça va plier un peu comme ça au début. Ouais, comme ça, ouais. Donc là, il n'y a rien à faire, c'est bien de laisser faire. De laisser faire naturellement ses fruits en haut. Bah après, on pourrait s'amuser à enlever ce genre de branches là, ouais, tu vois, ce qu'il y a un peu à l'intérieur, là, si on veut ouvrir un petit peu, sélectionner là, ouais, là il y en a 4 là, ah, oui. Hein, on pourrait se dire qu'il y en a au moins une de trop. Et c'est l'axe de départ. Ça. Ouais. Ça dépend ce que vous voulez faire, mais là le choix il est possible entre toutes. Hein. Donc, tu maîtrises on l'a là ici aussi. Les branches, là.
branche un peu extérieure. Ah mais là on peut pas trop maîtriser en fait, hein. C'est que c'est ce qu'on disait là, c'est que il y a bon il est très acrotone mais il y a une faible dominance apicale puisque on s'aperçoit qu'il y a une concurrence et que les fourches elles se sont créées tout de suite quoi. Et que là on est encore en train de créer des fourches quoi. Voilà, et que finalement regarde ici, on a 4 pouces, 5 pouces, elles font presque la même taille. Alors là c'est un peu moins le cas, c'est un peu plus clair, mais quand même si on regarde, on n'a pas forcément une dominance claire à chaque fois quoi. Et est-ce qu'on aurait intérêt peut-être à, du coup sur quand ça fait 3 branches qui sont à peu près de la même taille, plutôt en sélectionner qu'une seule ou en laisser deux, une faible et une forte, pour éviter que ça fasse des fourches? Enfin là c'est peut-être un peu tard parce qu'on est en quatrième année. Bon ouais, je suis pas sûr que ça pose problème là que ça fasse des fourches en haut quoi. Ouais. Parce que là par ensoleillement elles vont pas pousser toutes les 3 et se concurrencer toutes les 3 trop longtemps quoi. Ouais, ouais. Hein, on voit quand même que la pousse ça a sacrément diminué quand même. Hein. Entre l'année dernière et cette année, on est à. Bon, il a fait 3 pouces au lieu d'une, donc forcément elle est 3 fois moins grande, mais quand même ça s'est calmé un peu. Le nombre de bourgeons a augmenté, et puis il a commencé à fructifier, donc ça l'arrête. Hein. C'est la fructification qui arrête la croissance. Hein. À quel moment les bourgeons latéraux ils vont faire la secondaire aussi? Non, là les bourgeons latéraux, là ceux-là, là ils vont pas se ramifier. Hein. Ça va pas se ramifier. Ouais. Ceux-là vont se ramifier, mais ceux-là vont pas se ramifier, ils vont continuer à faire des coursons. Ouais. Ce qui va se ramifier, c'est les tiges qui sont déjà longues. Ouais. Les bourgeons longs. Les bourgeons de l'année, là. Donc là, en fait, ce qui va se ramifier, c'est en fait, on va avoir des ramifications au bout de celle-là, au bout de celle-là, au bout de celle-là. On voit quand même qu'il y a eu 2 pouces. Hein. Il y a eu une pousse de printemps, là, ouais. Une pousse préformée jusque-là, et puis une pousse d'août de là à là. Bon, ben non, mais j'aurais tendance à rien faire. Ouais, ouais. Il est urgent de rien faire là. Ouais. Homophone ça. Hein. Ouais. Là, on a une belle soudure. Ouais. Il n'y a pas d'inclusion, le décor s'inclusive. Non, ouais, voilà. Ouais. On voit bien la diff. Là, il y a 140. 140 ? Ouais. Ah oui, c'est parce qu'il y a la diff. Ça fait une belle production. Il a un angle plus ouvert que les autres. Ouais, ça fait déjà une bonne chose. Voilà, il est vraiment gobelé, quoi, ouais. Pour le coup. Mais bon, toutes les branches partent du même endroit. Oui. Ouais. Oui, mais je veux dire, même là où il n'est pas taillé. Ah ouais. Il est quand même, il n'a pas le même angle que ah ouais, oui, c'est les vrai, autres. Ouais. Et là, il n'y a même plus d'intérêt à enlever tout ça. Ça c'est bon. Ouais, c'est bien tard. Ça, c'est un peu tard, ouais. C'est bien tard. De toute façon, celles-là et celles-là ne vont pas énormément grossir, vu qu'elles sont un peu subordonnées aux autres. Mais c'est vrai que si on avait su, on aurait gardé peut-être 3, et puis après sur ces 3, on aurait gardé 2, et 2 là-bas. Hein, mieux, hein. Ouais, ça c'est sûr. Si j'avais su. Ça c'est pas gênant ici? Non. Ça passe. Ça passe, mais on voit qu'on a des branches, on a un gros tronc, et puis après, paf, ça part en pleine branche. Ouais. Et donc, on peut se poser la question de la solidité, de la durabilité de ces ancrages-là. Quoi. Ouais. Bon, si ça se trouve, ça va très bien se passer. Ouais. Mais c'est pas optimal. Dans mon sac, là, il y a des pruniers. Ils sont tous comme ça. Ouais. Tous comme ça, ouais. Avec 8 branches. Anciens ? Ouais. Ouais, mais carrément plus haut. Mais ils sont des gobelets à cette hauteur-là, avec 8 branches. Mais très taillés. Oui, très taillés. C'est 8 branches, et puis après, pouf, des petits gobelets sur chaque branche. Voilà, c'est ça. Mais si c'est très taillé, ça évite que ça porte beaucoup de fruits. Ouais. Généralement, ça fait des grosses branches qui partent sur plein de trucs avec des. Donc en fait, les grosses branches, elles sont stables, il n'y a pas de porte-à-faux, il n'y a pas. Et puis non, mais souvent ce qu'il y a aussi c'est qu'elles sont très étalées, donc malgré tout ça fait, il n'y en a pas une comme ça, une comme ça, une comme ça, enfin voilà, elles sont assez... C'est ouvert, ouais. Mais c'est parce que ça a grandi. Le dessus de l'arbre il est bien fermé, il n'y a pas de... Ouais, bon, c'est trop tard pour en tout cas intervenir, ouais. Mais il est beau comme ça, hein. Ouais, il est beau. C'est beau qu'il y a quelques temps. Ouais, c'est ça. C'est une autre... Après, en même temps, il y a tout.